grew up watching all the horror movies from US, from Asia, from Italy. And when we were writing the script, we are making a survival story, and we need to accept all the situation and all the effect. If we have some ketchup effect, very cheesy kind of effect, the audience is going to be not part of the story anymore. So we told to the producer, okay, we don't have a lot of money, but we need to have a great makeup artist. Je suis Giannetto de Rossi. Je maquille depuis 44 ans. Et je suis la troisième génération de maquilleur. This guy just fall in love with the script. He came every day with ideas, with solution, with proposition, and he just get the script from the beginning. It was a real pleasure to work with him. Et j'adore de travailler avec metteurs en scène qui ont la passion, l'enthousiasme. Mais je parlais avec Alexandre et je voyais dans ses yeux qu'il avait vraiment la grande passion de faire ce film. Alors je me suis dit, bon, on va voir si moi aussi je peux faire un film encore avec un jeune homme et travailler comme un jeune homme avec passion et enthousiasme. He agreed to come alone in Romania, in Bucharest, without any crew, just with blood and latex and built everything over there. I think one of the reasons, and he was making a lot of Lucio Fulci movie back in the days, and for him, I think it was a way to come back to this spirit of the 70s. He was maybe the oldest guy in the crew, but he was the most creative. This guy is really a genius. Le style de maquillage, c'est toujours la vision du metteur en scène. Alors, la première chose, c'est de lire le scénario, après parler avec le metteur en scène, écouter qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut représenter. Et après ça, vous allez à trouver le style de maquillage. Et sa vision, elle était une vision de vérité, de folie, de magie. Et alors j'essayais de suivre cette ligne de maquillage. And Giannetto de Rossi inspire us a lot because he did Dune, and the character of the Baron Harkonnen in Dune was really the kind of character that we want to show, I mean, for the killer. And it was great to have him, because when he arrived on the set, we asked him to do what he did with the Baron Harkonnen. That's why we put some red hair on Philippe Naon, and we tried to put this oil on his skin to look disgusting. Yeah. The character of the killer, the frightening of this character is half the actor and half Giannetto. La scène est un peu violente, si vous voulez, mais on a préparé des choses, des protections pour le corps. Après, on a préparé des choses pour jeter dedans, comme s'il était des morceaux de viande, de carne, c'est plus juste peut-être. Et sans qu'on tirait, moi, Alexandre, tout le monde a tiré sur les vitres de la voiture. On a préparé des blessures, bien sûr, qu'on a mis sur le visage. Il avait 145 blessures collées sur le visage. Il avait le nez coupé, c'est une autre. Il avait 9 bumps, comme on dit, de noms, parce qu'il a eu des autres coups et beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures. J'ai préparé la gorge, une faux gorge, avec la blessure qui était déjà là. Et après, j'ai fermé l'ouverture de la blessure. J'ai collé toutes les choses, les prosthétiques, non, et sur le cou de la comédienne. Et elle avait le tube pour les ans. Et après, on a vraiment égorgé le cou avec le couteau. Et il est venu le sang, je crois que c'est très impressionnant.
rentre. Tu veux pesantir. Yeah. Tu veux pesantir. Rentre. E va, coupe. E soulève la tête pendant que tu coupes un peu. Vai tranquillo. Tiens ici. Et avec ta main, tu fais ça, que ça va aussi pour la caméra. Après, tu fais ça. Parce que la chose qui pour moi c'est très important de faire tous les effets de maquillage vraiment sur les comédiens et pas sur les mannequins. Avant tu rentres et après tu t'en vas. Le plus difficile du tournage pour moi, ça a été la scène où j'égorge la mère. Il faut que je trouve l'endroit où le rasoir peut éventuellement rentrer. Je savais qu'il y avait une épaisseur de protection, mais j'avais quand même peur. Parce que même si le rasoir était moussé, je sais pas, ça me... On a fait deux prix. Ça a été un peu le plan maudit toute la durée du tournage qui a duré 6 semaines. C'est-à-dire que c'est un plan qu'on a dû commencer à essayer de faire au milieu de tournage et jusqu'à la dernière nuit, on refaisait régulièrement avec une poitrine et des systèmes différents. Je crois qu'un des systèmes les plus farfelus qu'on ait essayé a été avec un cochon, en fait une poitrine de cochon qu'on a mis sur le mannequin pour avoir le sentiment d'avoir de la peau et des os derrière. Mais bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça a été assez dramatique ce coup de hache dans la poitrine. En général, les choses qui sont difficiles, si je peux obtenir le maximum du résultat et tout le monde est content, ça c'est la chose qui me donne plus satisfaction. Mes projets, ils sont des films compliqués, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Et je vais l'accepter immédiatement, sinon cette caractéristique, sinon je vais jouer au golf.